habitants de la Terre, bonjour, bonsoir, ici Bruce Lee, le Lone Star Ranger, et je vous retrouve pour l'Inventus Lodge. Après avoir traversé le nuage des bugs, après avoir évidemment affronté toutes ces grandes difficultés et toutes ces problématiques techniques que, évidemment, le jeu n'allait pas manquer de nous donner, eh bien, nous voici enfin lancés pour l'Inventus Lodge Week. Il y a une première question qu'on m'a souvent posée là sur les derniers jours et que je vais déjà commencer à vous répondre. Qu'est-ce que déjà l'Inventus Lodge Week ? Alors, tout d'abord, pour ceux qui voulaient en savoir un petit peu plus sur cet événement qui est nouveau dans l'univers de Star Citizen, eh bien, je vous invite d'ores et déjà à aller consulter la vidéo de notre ami Sam pour tous ceux qui voudraient éventuellement justement se renseigner sur l'Invictus Lodge Week. Eh bien, je vous invite d'ores et déjà à aller voir sur le lien en description de cette vidéo pour en savoir un petit peu plus sur cette histoire. Alors, pour ce qui me concerne, vous le savez, nous sommes là pour montrer du gameplay avant tout et avec une machine modeste entre les mains d'un débutant. Hein, on va se concentrer peut-être sur quelques éléments historiques. Mais on va d'abord se concentrer surtout sur l'ambiance, sur l'atmosphère, sur ce que vous allez pouvoir trouver dans cette mise à jour 3.9.1 et cette Invictus Lodge, et on va tout de suite rentrer dans le bois dur. Alors, tout d'abord, l'Invictus Lodge, c'est la mise à l'honneur de l'armée dans l'univers de Star Citizen. Hein. C'est il y a trois grands corps d'armée dans l'UEE à l'heure actuelle, en 2950, et très clairement, ça fait un petit moment déjà que ces trois corps existent, puisqu'ils existent depuis les années 2500 à peu près, et on les célèbre régulièrement, justement, à l'occasion de cette Invictus Lodge. Pourquoi ? Eh bien, c'est un petit peu comme de nos jours, vous le savez peut-être, il y a une tradition anglo-saxonne qui veut que il y a ce qu'on appelle les Invictus Games, qui voilà, célèbrent les anciens combattants, les vétérans, et les soldats en général. C'est un petit peu la version anglo-saxonne du 14 juillet, mais qui survient régulièrement et qui est ponctuée de tournois, de démonstrations, de publicités, justement pour mettre à l'honneur les forces armées, leurs combattants, les soldats qui vont au front, qui en reviennent, qui font leur devoir. Et c'est assez cool, du coup, de voir que on a, entre guillemets, sci-fiiser cet événement qui existe déjà un petit peu partout dans le monde anglo-saxon, et donc que vous avez la possibilité de découvrir justement un événement qui met à l'honneur les trois grands corps d'armée de l'UEE et qui permet justement de les célébrer, notamment pour leur engagement dans les divers conflits qui ont existé et qui existent encore dans l'univers de Star Citizen. L'Invictus Lodge débute en 2542 avec justement la première guerre Tevarine. Après avoir rencontré les Shi'an et avoir commencé à flipper, sachant que la première rencontre extraterrestre pour l'humanité dans Star Citizen c'était les Bannu et ça s'était très bien passé, mais après avoir du coup rencontré les Shi'an avoir eu quelques petites difficultés, c'est là qu'on s'est rendu compte justement que l'humanité est un petit peu plus prudente. Et bien, lorsque l'humanité va pénétrer dans le système Elysium, dans l'optique de terraformer les systèmes, et bien, il va se passer quelque chose, c'est que les humains vont rencontrer les Tevarins,
Et malheureusement, ça ne va pas bien du tout se passer, même si les Tévarins technologiquement sont légèrement en infériorité. Vous avez une guerre qui est déclenchée quasi immédiatement par les Tévarins. Et en 2542, du coup, la guerre du coup Tévarine, la première donc, va complètement prendre l'humanité de court et rendre les choses très compliquées justement pour l'UPE, puisqu'à l'époque c'était pas l'UE, c'était l'UPE. Il y avoir Idriss IV qui va être complètement explosé par les Tévarins, et là les humains vont commencer à flipper. Et donc ils vont tout d'un coup se rendre compte qu'ils vont avoir un grand besoin de troupes et justement de forces armées opérationnelles, ce qui ne va pas malheureusement se faire tout de suite. Donc pour ces raisons-là, ils vont décider de faire une conscription massive afin justement de réunir suffisamment d'hommes pour pouvoir lutter contre les Tévarins. Et c'est comme ça que naît justement cette fameuse Invictus Lodge, puisqu'en fait, on réunit en fait des flottes de volontaires de différentes colonies, donc au même endroit. En l'occurrence, pour la première Invictus, ce sera à la base Invictus de Mars. Et c'est pour ça que, avec cette base Invictus, c'est devenu l'Invictus Lodge, c'est-à-dire qu'on a rassemblé un grand nombre de conscrits au même endroit, unis dans un même but, afin de se battre contre l'ennemi Tévarin et de défendre l'Empire terrien. Et, il faut attendre justement l'année à peu près 2581 sous l'ère Messeur pour que l'Invictus Lodge ait une reconnaissance officielle, mais au début, évidemment, ça se fait sous le couvert justement de la politique de l'Empire Messeur. Vous savez que l'humanité a souffert beaucoup sur l'Empire Messeur. Et malheureusement, cet Empire Messeur va se servir de l'Invictus à des fins politiques. Ça va être extrêmement décrié. Il y aura régulièrement des Invictus auxquels certains mondes ne vont pas participer, et notamment l'Invictus de 2637, hein, où la Terre s'abstient carrément de participer. Et je crois que c'est en 2794, hein, puisqu'il commence la purge anti-loyaliste, anti-Messeur. Eh bien, on va décider de changer la date de cet Invictus, on va le fixer au 22 mai, et du coup, c'est l'Invictus actuel qui va prendre forme tel que vous le connaissez. Voilà, je vous ai fait un résumé très rapide, sachant que, pour ceux qui se posaient la question, l'escadron d'élite que nous voyons dans la vidéo, que certainement je vous mettrai en présentation ou dans le courant de mes explications, l'escadron d'élite, le squadron 999, le squadron 999, donc, commence à travailler avec la Navy, et notamment dans le cadre des démonstrations de l'Invictus à partir de 2803. Donc, pour ceux que ça... Voilà, pour le petit détail. De même, pour ceux que ça intéresse aussi au niveau politique, je vous invite à regarder aussi ce qui se fait, puisque vous verrez que il y a une controverse dans cet Invictus, c'est justement que Drake Interplanetary, la corporation que vous connaissez, n'a pas été invité pour cet Invictus-là, celui de 1950. Et en l'occurrence, Drake Interplanetary a quand même fait une espèce de convention, la Defense Con, que nous pourrons voir quand même en même temps que cet Invictus-là dans le système de Stanton. Mais pour ceux qui se demandaient qu'est-ce que c'était que la Defense Con, vous allez voir que c'est un petit élément légèrement séparé de l'Invictus que vous allez voir là. Alors, vous voyez qu'on est rentré et que ça laguait, hein, pour des raisons bien évidentes, c'est que nous sommes en début de mise à jour, nous sommes sur un événement qui est un free flight, et nous sommes à un point donné où tout le monde va se concentrer, puisque nous sommes carrément à presque minuit, alors que les portes du salon vont s'ouvrir, là où tout le monde du coup va se pointer, donc ça va être très compliqué peut-être parfois, et il va me falloir monter cette vidéo, donc je vous demande votre indulgence. On va regarder ensuite ce que donne l'entrée de cette convention qui se passe par là-bas, et vous avez vu qu'il y a tout un tas de petits goodies assez sympatoches qui sont arrivés avec cette 3.9, et je ne vous le parle pas des goodies hors in-game, hein, puisque vous le savez peut-être, mais en l'occurrence, il
y a la possibilité maintenant, avec la 3.9.1, pardon, je dis des bêtises, et bien de tout simplement de peindre son vaisseau. On va voir si c'est bugué ou pas, parce qu'on m'a prévenu par contre que les achats des t-shirts et des goodies étaient compliqués en jeu à l'heure actuelle. Donc oui, effectivement, pour l'instant, ça va être difficile de faire des achats. On va tester hein, toutes les features du jeu depuis la 3.8.9, voilà, on va les tester, sachant qu'il y a de grandes chances pour que l'ensemble de ces goodies puisse être acheté peut-être que à partir de minuit pile, puisque je vous le rappelle, nous sommes arrivés à 23h en gros moins 5, hein, 3h moins le quart avant Jésus-Christ, comme on dit. Et en l'occurrence, on est prêt à l'ouverture, mais peut-être que le jeu lui-même n'est pas prêt, puisqu'il n'était a priori pas prêt du tout lorsqu'on a fait le grand tour au départ. Non, il n'y a pas eu White pendant la 3.9.1. En revanche, une partie perso de mon équipement n'était pas présent lorsque j'ai reco. Et malheureusement, cet équipement est perdu. Globalement, par rapport à ce que j'ai vu et par rapport à l'équipement que j'avais lors de la version précédente, en revanche, j'ai récupéré, on va dire, 95% de mon équipement. Et j'ai pas eu de difficulté justement à les récupérer. Donc c'est plutôt cool. Ça, c'est une très bonne chose. Est-ce qu'on peut lire cette pancarte? Et vous voyez que ce que vous explique la petite estrade que vous voyez devant vous, c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Invictus Launch Week, hein? Donc vous pourrez traduire si vous le souhaitez, je ne vais pas vous le faire au dépoté, ce sera horrible pour vos oreilles, mais ce qui est certain, c'est que vous avez du coup un historique complet. Voilà. Et comme dit la dernière phrase, Invictus est le moment de se célébrer ensemble, de célébrer la bravoure, le devoir et l'engagement vers les buts et les objectifs qui définissent l'humanité comme la plus grande des races. Bienvenue à l'Invictus de 1950, c'est beau, bravo. Et alors vous voyez que l'Invictus c'est aussi, comme je vous le disais, une vaste conscription. Donc c'est centré bien entendu sur des choses qui sont très clairement du recrutement à destination de l'armée. Et vous voyez que là vous avez un centre de recrutement comme vous pouvez en trouver dans le corps des Marines lorsque vous regardez les séries liées à du lore militaire, ou alors lorsque vous, si vous avez déjà eu l'occasion de servir, eh bien vous savez ce que c'est qu'un centre de recrutement. La vraie force est de ne jamais laisser tomber les autres. Voilà ce que dit ce bâtiment. Là vous voyez que on a des petites images qui mettent en valeur l'escadron 999, l'escadron d'élite. Je ne sais pas si c'est encore disponible, on va tester puisqu'il est peut-être bien minuit. On va regarder. Voilà, il est minuit 2. Donc ça va être l'occasion pour nous d'y aller. Les enfants, maintenant que c'est ouvert, maintenant que nous sommes prêts, appelons l'ascenseur et découvrons ensemble ce que CAG a préparé pour nous. Ship Hall RSI Origin ou Vehicle Hall RSI Tumbril Origin Anduin. Alors on va aller d'abord sur ce hall là, le premier. Sympathique. Alors vous avez vu que ça fait penser à l'Intergalactic Expo, alors que les véhicules pop, hein, je me doutais bien que ça allait arriver, voilà. Donc évidemment là les serveurs sont en souffrance et on va leur pardonner pour cette fois puisque clairement on doit être assez nombreux cette fois-ci à se promener dans le coin. Donc bien entendu,
On va se promener et on va regarder ce qu'il en est. Et vous voyez que sur les côtés, au-delà de la marque Origin et des vaisseaux qui sont certainement visitables, vous avez des espèces d'holoprojections des différents constructeurs qui vont permettre d'admirer les modèles des vaisseaux que vous connaissez pour certains, puisqu'ici il s'agit d'un Constellation. On va regarder le deuxième vaisseau ici, qui lui est un petit peu moins connu. Hein. Qu'est-ce que c'est ? Ah ah, c'est le RSI Polaris. Un vaisseau qui est parmi l'un de mes préférés, mais qui est toujours en concept. Et ça nous permet du coup de l'admirer tel qu'il sera peut-être un jour en jeu, je l'espère. Ce que vous admirez ici, c'est un vaisseau que vous connaissez sans doute, puisque vous l'avez déjà vu chez moi. C'est l'Origine. Alors celui-là, ce n'est pas le 300, c'est le 325A. Donc c'est un modèle du 300i que j'utilise moi-même. Donc je ne vais pas vous le présenter, vous le connaissez, vous l'avez déjà admiré. On va aller voir les plus gros vaisseaux qui nous intéressent, et vous voyez qu'on n'est pas les seuls. Il y a au centre un vaisseau que vous connaissez bien, puisqu'on en a déjà parlé, c'est le RSI Mantis. Juste à côté, vous avez un Constellation, un autre Constellation et un Aurora. Et donc, comme pour l'Intergalactic Expo, à partir du moment où vous avez ces vaisseaux comme ça en visu, vous pouvez cliquer sur la touche Rent. Et c'est ce qui va se passer, on va rent ce vaisseau, le fameux RSI Mantis, qui est un vaisseau spécifique pour l'interdiction. On en avait déjà parlé de ce vaisseau. On va regarder les constellations, et notamment ce qui nous intéresse, parce qu'il y a justement un modèle qui nous intéresse, et c'est pas le Constellation Andromeda. Moi, le modèle que je voulais tester avec vous, et le modèle qui me fait bien plaisir, et que je voulais vraiment découvrir en vol avec vous, c'est celui-ci, c'est le Constellation Phoenix. Donc j'espère qu'on va pouvoir le louer. Alors là, peut-être pas tout de suite, encore une fois, je vais essayer à chaque fois de le louer dans les médias, mais j'espère qu'on va pouvoir les louer dans les deux prochains jours, puisque vous le savez, les deux prochains jours vont être consacrés à la marque Origin et la marque RSI, et ensuite régulièrement ça va changer de constructeur, etc, etc. On va monter à l'intérieur de ce Constellation Phoenix pour vous montrer vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous, et qu'on partagera sans doute en vol. Et vous voyez que même éteint, il reste cool. Est-ce qu'on peut entrer dans le siège du pilote? Voilà. On va voir si on peut l'allumer, mais je crois pas. Et voilà, on n'a pas la possibilité, à mon avis, de l'allumer, mais on a, en tout cas, le plaisir de pouvoir s'asseoir dans le siège du capitaine. Vous voyez qu'ici, vous avez une petite tourelle. Mais c'est surtout les intérieurs luxueux que je vais vous teaser un tout petit peu. Voilà, on y est. Et alors, vous allez voir le luxe. Le luxe. Ce n'est pas que la marque Origin. Très clairement, là, on est sur un vaisseau haut de gamme, bien stylé, pour transporter vos passagers en toute quiétude. Et même si vous avez un vaisseau amiral d'une organisation, c'est l'idéal, puisque votre groupe peut profiter d'un bar qui est ultra stylé. Je crois que c'est le plus beau bar que j'ai vu avec le 890 Jump. Hein, et encore, je pense que celui-là est vraiment stylé. Il dépasse très probablement la plupart des intérieurs de vaisseaux que j'ai pu voir. Alors attention, ça rame un petit peu, vous avez vu qu'il y a différentes cabines avec des appartements.
Là, ça, c'est une piscine, hein, très clairement. C'est un jacuzzi. Et vous avez ensuite la soute ici. Nous allons passer, cette fois-ci, au hall des véhicules. Alors, le hall des véhicules, il est bien sympatoche, hein, et vous voyez qu'il y a des véhicules que nous avons déjà testés, il y a des véhicules que nous n'avons pas encore testés, et il y a des véhicules qui seront peut-être étonnants et qui sont nouveaux, puisque vous avez sans doute entendu parler du dernier véhicule, notamment d'Origin, qui vient tout juste de sortir et qui est une petite surprise. Alors, je ne vais pas vous refaire la visite du Ballista qu'on a déjà vu pendant l'Intergalactic Expo, donc on va re-rentrer dedans très rapidement, mais vous avez vu que voilà, c'est un tank lance-missile. Là, ce que vous avez devant vous, ce sont les Tumbril Cyclones. Alors, les Tumbril Cyclones, ce sont des espèces de petits buggy de deux places avec des mitrailleuses, avec comment dire, différentes variantes. À chaque fois dans Star Citizen, vous avez la possibilité, du coup, là encore, de les louer pendant l'Intergalactic Expo, mais vous aviez déjà la possibilité de les louer pendant l'Intergalactic Expo sur certains véhicules, et là en l'occurrence vous pouvez là aussi les louer pendant du coup l'Invictus Launch. C'est exactement le même principe. Et ici vous avez l'Ursa, hein, et vous voyez qu'il y a déjà quelqu'un dedans, l'Ursa Rover. Alors ça, c'est sans doute mon véhicule préféré, parce que c'est un petit peu un véhicule tout terrain. Donc c'est à la fois un tank, donc vous êtes protégé à l'intérieur des intempéries, c'est pas comme le cyclone où vous êtes quand même avec quelque chose sur l'extérieur. Il est plus mobile que le Ballista, et en même temps il y a quand même du répondant, puisque vous voyez qu'il y a un super petit canon sur la coque avant. Donc voilà, moi en tout cas, ce qui est certain, c'est que si je devais avoir un véhicule pour l'instant, mon choix serait plutôt vers l'Ursa. Alors, on va voir ce que donnent les holos dans la salle des véhicules. Et là, vous voyez quelque chose de très intéressant que beaucoup de joueurs attendent. Il s'agit du Tumbril Nova, qui est un tank, hein, tout simplement. Voilà, rien de plus à dire sur le sujet. Vous savez à quoi sert un tank. Et ce qui est certain, c'est qu'on aura l'occasion, du coup, d'acheter un tank lorsque celui-ci ne sera plus en concept. Dans Star Citizen, donc vous pourrez manipuler un tank au sol pour tirer sur d'autres véhicules, sur d'autres vaisseaux, etc. Et voici le véhicule dont je vous parlais, que nous attendons, et qui est le nouveau petit la nouvelle petite trouvaille de Origin. C'est le G12, et vous avez trois modèles de G12. Vous avez le modèle combat, le modèle course et le modèle classique. Et là, je pense que c'est un G12A, donc c'est un modèle sans doute destiné peut-être peut-être pas au combat, parce qu'il n'y a pas de missile, mais en tout cas destiné à l'exploration. Bien. Alors, rien d'exceptionnel encore une fois pendant l'Invictus Launch du côté des exposants, puisque pour ceux qui encore une fois connaissaient déjà l'Intergalactic Expo, voilà, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous avez des stands, vous avez des véhicules que vous pouvez louer, et pendant la semaine de Free Flight, justement, profitez-en, eh bien, vous avez l'embarras du choix pour aller voir, visiter, tester tous ces petits vaisseaux qui seront et qui deviendront disponibles petit à petit dans le jeu. Tous les 2-3 jours, vous en aurez des nouveaux qui vont tourner avec différents constructeurs. Donc voilà, faites-vous plaisir, allez-y, profitez-en, et surtout, n'oubliez pas, prenez vos goodies, puisqu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Bien. Allez, on va rentrer dans ce petit tramway qui fait le tour du Bevic Convention Center, qui est un chouette petit bâtiment, hein. Vous avez pu le voir, ils ont créé ça de toutes pièces avec des jolis hologrammes. Ça pète de fou. On n'avait pas eu le temps de l'admirer lors de la nuit, mais vous voyez que il est beaucoup plus classieux encore de jour, puisqu'on peut imaginer aisément à tous ces holos d'officiers, voilà, le travail que ça a dû nécessiter pour créer tout ça.
Bon voilà, on est content de découvrir ce nouveau bâtiment autour de la Era 18. Et on y retournera là dans les prochains jours, puisque c'est dans ce bâtiment que nous allons à chaque fois pouvoir acheter des goodies et louer des vaisseaux. Donc faites-le, si vous êtes nouveau dans Star Citizen et que vous ne connaissez pas, que vous avez envie de tester les vaisseaux, que vous avez envie de tester le jeu, c'est le moment justement de faire le nécessaire pour gratuitement obtenir Star Citizen et pendant une semaine gratuitement tester le maximum de vaisseaux, et notamment des gros vaisseaux qui sont à plusieurs centaines d'euros d'habitude et pour l'instant pas disponibles à l'achat en jeu. Et pour ceux qui sont disponibles à l'achat en jeu, ça demande énormément de temps pour les farmer, et ils n'ont pas d'assurance en plus si vous les pétez. Donc très clairement, utiliser ces vaisseaux aujourd'hui, c'est l'occasion d'en faire tout ce que vous voulez, et d'une façon à la fois certaine, puisque vous en foutez, c'est pas des vaisseaux que vous aurez eu difficilement. Et voici notre Gladius, qui va nous permettre de grimper dans les étoiles en espérant que nous ne soyons pas déçus ce soir par ce qui va arriver en orbite autour de la planète. En avant, soldat. Et cette fois-ci, nous sommes prêts. Nous sommes parés pour célébrer les Marines, pour célébrer nos frères d'armes. Ah ! Nous allons faire le nécessaire pour nous mettre en orbite le plus rapidement possible. C'est parti. Attention, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. C'est pas très beau. Mais ça fait le taf. Et nous voici en direct d'ArtCorp, où nous allons survoler rapidement la canopée, parce que autant vous dire que ça va souffrir au niveau du FPS. Vous voyez le Bavik Convention Center qui était juste sur votre droite, et nous allons monter rapidement en orbite. Les amis, bien écoutez, après le décès par KO de mon PC qui était justement en train d'essayer de gagner le Bajini Point, nous voici arrivés à cette fameuse station spatiale où vous voyez que une espèce de baie très spécifique s'est rajoutée pour l'événement, et cette baie justement est destinée à accueillir un événement hors du commun pour justement, et il faut que j'arrête de dire justement, pour l'univers de Star Citizen jusqu'ici, c'est l'Invictus, le fleet, donc la flotte en elle-même qui va se docker dans la station spatiale normalement. Et on va réussir peut-être à capturer quelques images. Mais voilà, et vous voyez un feu d'artifice de ouf qui, pour fêter justement l'arrivée de la flotte dans le Bajini Point, a été orchestré par CAG pour fêter justement l'arrivée de cette flotte. Alors, vous avez vu que des vaisseaux Mastok de la flotte Invictus sont en train d'arriver justement sur place et manœuvrent. Je ne vais pas trop bouger, je ne vais pas trop me déplacer avec le Gladius, parce que autant vous dire que là, nous sommes en méga PLS total en termes de framerate. Et le vaisseau est en train de souffrir gravement de toute cette flotte rassemblée au même endroit, tous ces joueurs rassemblés au même endroit pour observer un vaisseau de malade, un
vaisseau capital, un vaisseau que tout le monde attendait, qui est très probablement un Javelin, en train de se docker dans la station du Bejini Point, sous les feux d'artifice qui avaient été préparés justement pour l'occasion, pour pouvoir accueillir comme il se doit la flotte de la Navy de l'Empire Terrien. Et vous voyez que les manœuvres du Javelin sont, on va dire, peu orthodoxes, mais que ces manœuvres fonctionnent et que les feux d'artifice, hein, c'est très 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 chouette. On va essayer de se rapprocher, mais en faisant très très attention, hein, parce qu'autant vous dire que on est très près de l'action. Et vous avez vu qu'effectivement c'est un Aegis Javelin que nous observons, hein, conduit par Denis Lennix, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il est conduit par un officier de la Navy et qu'il va se docker de la plus belle façon qui soit dans cette baie d'amarrage, suivi par la plupart des joueurs présents sur le serveur dans la liesse de ces feux d'artifice. Et c'est vraiment très 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 chouette à observer. On va essayer de faire différents plans. Pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était que le Javelin, eh bien c'est le fleuron de l'UEE, et c'est ce que nous avait promis CIG justement depuis longtemps. Beaucoup espéraient en voir un en action, beaucoup savaient déjà de quoi c'était capable puisqu'ils avaient vu les cinématiques, mais personne n'en avait vu directement en jeu dans un tel événement, sous des feux d'artifice, pour justement notre plus grand plaisir. Et donc c'est vrai que ça fait un plaisir de ouf. Et vous avez vu qu'on est on est immédiatement détourné lorsqu'on s'approche trop du vaisseau, donc on va pas pouvoir non plus faire n'importe quoi. Et vous voyez que certains ne se privent pas d'approcher trop près. Et malheureusement, ils en payent le prix. On va essayer de faire quelques petits plans d'ensemble et on se fera plaisir avec un joli montage vidéo.
Les amis, bien écoutez, après avoir fait plusieurs tentatives pour essayer de me rapprocher des javelins, malheureusement, voilà, soit il y avait trop de monde, soit évidemment il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bugs et de pertes de framerate qui m'ont empêché de vous procurer quelques images supplémentaires. J'espère que vous avez pu du coup être content de profiter avec moi de ces quelques images qui sont très atypiques dans l'univers de Star Citizen et qui montrent à la fois que bien oui, il y a encore énormément de choses à faire sur la technique de ce jeu et énormément de choses, énormément de marge de progrès pour Robert Space Industries, mais en même temps qu'on voilà, on a déjà des belles propositions et que ça fait bien plaisir d'avoir des petits événements comme ça qui vont nous permettre de custom très vite notre vaisseau, notre univers, notre façon de jouer telle qu'on l'entend. Voilà. Sur ce, j'espère que tout ceci vous a plu et on se rejoint et on se retrouve très vite pour les tests de tous ces petits vaisseaux. En attendant, je vous dis ciao ciao, c'était Bruce Livre, salut.